c'est Faris Arco et Teski, on se retrouve aujourd'hui, on est de retour sur FS19, notre partie sur Campaign France, et on est parti tout simplement pour faire de l'ensilage. Bon, le tracteur vous connaissez, la benne vous connaissez, on a tout simplement loué une série 9 de John Deere, une 9700i, barre de coupe je crois 6 mètres si je dis pas de conneries. On a mis la blondasse, non, ou la bécasse, ouais c'est la bécasse, on a mis la bécasse au guidon de la machine et on va tout simplement suivre. Pour faire donc cet ensilage, j'ai déjà fait tout bêtement une benne que j'ai déjà amenée au niveau de la ferme. J'ai acheté donc les champs 8, les champs 9 et les champs 6. Donc ça devrait aller relativement rapidement. Donc j'ai mis l'ouvrier, c'est pour ça qu'il y a, il y a un trou là-bas. Enfin, il y a un trou. C'est pas réellement un trou, mais en tout cas, elle a attaqué au milieu là. Enfin bon, bref, cherchons pas. Quand on a affaire à des conos et des connasses, j'ai envie de vous dire, bah, c'est un peu le principe. Mais bon, c'est pas grave, on s'en bat les couilles comme on a l'habitude. Donc, ce qui me rassure, c'est que je n'étais pas le seul avec notre histoire de tuyaux et notre histoire de pouvoir remplir les bacs à eau, là, des animaux. Bon, vous n'étiez pas 50 000, hein, donc c'est vrai que ça fait quand même du travail dégueulasse, ces ouvriers. Là, c'est pareil, ils s'arrêtent, elle fait demi-tour, elle recule dans la... dans la culture, bref, on terminera nous après, on attellera, je sais pas pourquoi pas, la benne derrière, puisque cette machine-là a un attelage tout bêtement, alors je pense qu'elle va s'arrêter là, on va essayer de tourner pour pas écraser nous. Ah bah cette fois-ci, on va jusqu'au bout, cherchons pas à comprendre. Tout à l'heure, elle a pas été jusqu'au bout, enfin tout à l'heure, j'ai préparé le truc hier soir, alors c'est pareil, là je te fais du boulot, alors regardez l'affaire. Alors pendant qu'on va faire demi-tour tranquillouse, 93, elle va, je sais pas ce qu'ils font, regardez. Regardez si c'est pas beau, regardez si c'est pas Thibaut. Alors je te dis pas s'ils avaient du Fendt, hein. Alors déjà qu'avec du John Deere ils font du boulot de merde. Mais alors avec du Fendt, bien évidemment grosse bise à mon patou, spécial dédicace to you, Campaign France pour parler un petit peu anglais. D'ailleurs, pour une petite blague, parce qu'on est là aussi pour s'amuser, on est là pour se raconter de blagues. Je sais pas si vous connaissez cette vanne des Laurel et Hardy, je vous explique. Laurel, pourquoi as-tu mis le journal dans le frigo? Et Hardy répond, c'est pour avoir des nouvelles fraîches. Ok. Une petite deuxième, parce que ça fait plaisir, parce que là, jusqu'à ce point-là, il y aura beaucoup de monde qui va regarder. Parce qu'en général, vous regardez en moyenne que 5 à 6 minutes des vidéos, même si ça dure que 15 minutes, vous avez trouvé le moyen quand même, bande de colos, de regarder que... en moyenne, je dis bien 5 à 6 minutes de vidéo. C'est dommage parce que pour ceux qui ne regardent pas jusqu'au bout, parfois, sur les vidéos par exemple ATS ou ETS2, le fail arrive un petit peu plus tard. Mais bon, c'est comme ça, tant pis pour vous. C'est bien fait, vous avez qu'à regarder les vidéos en entier. La deuxième, puisque je vous ai dit que j'en avais tapé une deuxième. C'est Laurel, pourquoi as-tu mis de l'âme de Rathrad dans la salade? C'est pour avoir, pour maigrir l'appétit, le mec en plus il sera tout. Oh, elle est superbe. Bon, enfin bref. On est là pour se détendre, on est là pour se marrer, bien évidemment, c'est comme d'habitude. Oh putain, il a pas mis les giroputes. Alors par contre, le seul petit inconvénient... ouais, non, c'est bon, on va passer par là, je me suis fait chier à passer à droite. Donc ça n'a pas beaucoup bougé, j'ai dit que je n'avançais pas trop entre les vidéos, justement, pour que bon, on fasse un petit peu tout ensemble. Hop, on va vider là, c'est parti mon colo. Vas-y, crash tout, crash, vas-y, ah, je vais rester coincé comme un con. Non, c'est bon, impeccable, on est bien. Donc voilà, le coup du tuyau. Hop, est-ce que ça va... est-ce qu'on va réussir à décaler? Oh putain, on va rester coincé comme des cons. C'est un petit peu mal placé là. Enfin, quoique, limite mal placé, bien placé, on s'en fout. C'est peut-être moi en plein temps qui m'y prend pas. Génial. On va juste tasser un petit coup, vite fait. Hop, on va se mettre comme ça, on va voir à peu près où on en est. Voilà, c'est bien. Regarde ça, s'il est pas tu beau, mon cono, volant de son tendir. Regarde, il a la casquette et tout, hein. On aurait pu mettre le chapeau, le Stetson, le truc des Américains, mais non, pas trop fan. Je trouve que la casquette lui va bien. Voilà, la casquette me va bien, j'ai envie de te dire même. Attends, on va juste faire comme ça pour pas se planter. Et puis là, on a l'air plutôt pas mal, c'est à peu près presque bien étalé, tout bête. Et on va aller tranquillement terminer notre premier champ. Voilà, donc aujourd'hui c'est opération en silage, tout bête. J'ai pas rendu... qu'est-ce qu'on fait? On va passer par là? Ouais, regarde ça. Putain, mais c'est bien fait! Pilotage et tout, la classe! On pourrait se mettre en vue inter, hein, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais bon, on s'en bat les couilles. J'ai pris un petit coup aussi, ça fait un moment qu'on utilise le casse-yache. J'ai pris un petit coup le John Deere aussi, faut pas déconner quand même. Hein. On est bien, on est installé, on est à l'aise. J'espère que vous passerez comme d'habitude un bon moment. En général, c'est le cas, c'est ce qui ressort de vos commentaires. Et franchement, comme d'habitude, tous les commentaires sont lus. Petite réponse est apportée à ceux qui méritent une réponse, tout simplement. Ou il y a des questions, hein. D'ailleurs, dédicace à l'ami Pat Stringer qui ne connaissait pas le mode Animal Pen Extension. Voilà, ce mode pour avoir ces fameux robinets de flotte là, tout installé. Donc j'étais tombé là-dessus, je sais même plus comment. Moi, donc voilà.
Si je me souviens, si je retrouve, je partage bien évidemment les informations. Allez, vas-y, ma colasse! Fonce-y tout dedans! Voilà, on devrait faire encore. Finalement, ils sont pas grands, mais ça prend un peu de temps quand il faut les vider. La benne n'étant pas extraordinairement grande en termes de capacité non plus. Voilà, je sais pas, peut-être j'espère qu'elle fait pas trop de bruit celle-là, parce que sinon il va falloir que je me fasse chier au montage à réduire le son de la machine. Bon, et si on se met un petit peu comme ça, non? Voilà. Allez, vas-y. Ah, c'est beau quand même, regardez ça, si c'est pas beau, regardez ça, allez. Les fans du jaune et vert, profitez-en, c'est cadeau. Pareil, on m'a dit le Richel est trop important. Bah écoutez, après, moi j'aime bien jouer comme ça, donc j'ai envie de vous dire, voilà, allez vous chier, bande de colos, voilà. Bon, en toute amitié, hein, bien évidemment. Après, chacun ses goûts. C'est vrai que c'est un peu comme tout ça. C'est vrai que je l'avais dit, moi perso, d'ailleurs, à Classe DX69, sur une de ses vidéos, qui utilisait le Richel aussi. Où, bah, c'était encore plus exagéré que ça. Où, bah écoutez, moi après je lui ai dit, hein, il fait ce qu'il veut. Hein. Dans le message, c'était d'ailleurs... ton Richel est un petit peu, voilà, après ça n'est qu'une indication, il fait comme il veut, bien évidemment, il a fait comme il veut, je sais même plus s'il avait modifié ou pas, je n'en sais rien, je ne sais plus, bref, on aurait pu presque enlever les gyroputes dans le champ, putain, ça fait chier, un rang près, deux rangs près, on aurait pu éviter de faire un aller-retour de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteler, vas-y connasse, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu t'arrêtes, vas-y, fonce, putain, on n'a pas que ça à foutre, mais regardez ça, comme elle est magnifique cette machine. La classe, double sortie et tout, tout est modélisé dans le... Je sais pas si le capot s'ouvre derrière, j'en sais rien, j'ai pas essayé, puis je m'en bats les couilles en fait, en vrai. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très joli. Hein. Oh là là, c'est la classe. Alors, attends, voir. On va faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça, bouge pas. T'inquiète, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Fais pas de la merde, fais pas de la merde. Attends, attends, sors, 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 sors. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Hop, hop. Voilà, vire l'ouvrier. Voilà, on va faire comme ça. Ouh putain, on va hop. Oula, il est souple. Ouh, le genou qui va bien. Le genou qui va bien. On va foutre le tracteur au milieu du champ. Voilà, pour pas qu'il nous gêne. On va essayer de terminer tranquillement en attelant la benne à... Allez, ah putain, c'est par contre, c'est le ventre. Hein. Le genou va bien, mais le ventre. Oulala, là là, le ventre dépasse. Oh là là là, là c'est l'hiver. Le ventre dépasse. Raclette, tartiflette, sauciflette. Tout va bien. Ah putain, on peut pas accrocher. Non, tu rigoles, déconne. Allez. Oh putain, la baise, on peut pas y accrocher. Oh putain, je pensais qu'on pouvait accrocher la benne. Oh putain, la baise. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. On va faire autrement. Putain, on va aller se foutre le GPS. Le follow me. On va le follow me. Allez, on va essayer de le follow me tranquillement. On va voir si on arrive à le follow me. Hop là, on va faire comme ça. On va se réatteler tout ça. On va faire comme ça. On va. Qu'est-ce que tu fais? C'est patoche? Oui, patoche, ce con. Il était coincé le frein. Bon, bref, on s'en fout. Alors, contrôle F. Alors, distance du meneur. Par contre, je me suis toujours chier avec ces histoires de meneur. Non, c'est quoi? C'est pas... Allez, putain, tu me casses les couilles. Déactiver, machin. Il est pas... Il est mis, pourtant. Ah ouais, mais non, c'est devant. Oh là 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 là, c'est le bazar. C'est ici qu'il faut faire contrôle. Où c'est qu'il est? Non, non, c'est pas ça. Ouais, putain, c'est beau, c'est beau, c'est bien. Qu'est-ce que ça fait? Shift. Comment on fait pour le remettre sur le truc, là? Ah, il est là, putain, il a le truc. Alors, attends, voir. Tac. Non, ça, ça avance, ça, c'est recul. Ça, c'est pas bon, c'est saute. Oh, le boulot. Putain, je me fais chier. Alors, tac, tac, et putain, mais c'est quoi, c'est mage? Ah, bah voilà, décale à gauche, ouais, ça serait bien de décaler à gauche. Ça serait bien de réduire. Voilà, tac, 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 allez, vas-y. On va essayer de le foutre en route. Vas-y tout, voilà, vas-y tout. Voilà, allez, on essaie. Attends, 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 Boris. Attends, ouais, c'est bon. Allez, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air de pas mal, il a l'air de suivre. Vas-y, viens, 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 allez, l'école. Vas-y, arrive. Ah, mais merde, je suis plein. Non? Pas plein? Non, ça va l'air plein. Allez, vas-y, viens. Viens, combine. Qu'est-ce que ça dit? T'es trop loin? C'est plein? Ah, mais il fait chier, il est pas fluide le truc là. Vas-y, avance, avance. Attends, shift, qu'on réduit là encore. Ah, hop, viens, viens sur moi. Voilà, voilà, c'est bien. Ouais, ça a l'air d'être bon. Stop, 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 voilà. Normalement, on a l'air plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. On est combien à 100? Ouais, on est à 100. Vas-y, quand tu veux. Ah, faut mettre le moteur en marche. Oh putain, c'est le bordel. C'est le bordel ces vidéos. Vas-y! Oh voilà, bonjour! Coincé! Ça n'avance pas, voilà. Comme ça, ben, je pensais qu'on allait faire plus d'un champ, mais en fait, non, pas du tout. Loin de là, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude, c'est le bordel ici. Là, cette fois-ci, tout de suite, gyropute. Voilà, on se met gyropute, on va aller vider tranquillement notre benne. Heureusement, en plus, qu'on n'est pas très très loin de la... Putain, tes saucisses. Ouh là, les saucisses, putain, les saucisses sèches, les amis. Oh là 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 là, ça voit la saucisse sèche, bien évidemment. Heureusement qu'on n'est pas loin de la ferme, voilà, que je termine. Je pars sur n'importe quoi, n'importe où. Boum,
me fatigue tout seul, me fait mal à la tête, c'est un truc de malade. Allez, on est bon, on fait ça propre. On va essayer de pas abîmer le mur à la Ginette. Putain, j'ai acheté deux bagnoles à la Ginette, là. J'ai acheté des voitures volantes aussi. Voiture volante, allez, on est bon, hop. On va aller vider ça tranquillement, on va tasser au passage, boussez-vous. Putain, faudrait que je passe un petit coup de débroussailleuse ici. Ça commence à être le bordel. Allez, hop, vide-y tout ton sac. Voilà. Tranquillement, on va en mettre un petit peu ici. Et puis comme ça, on commencera à avoir tout simplement un peu d'ensilage. Il faudra qu'on commence aussi à s'occuper un petit peu de nos animaux. Parce que mine de rien, on a des animaux, mais on s'en est encore pas réellement occupé. Mais bon, j'ai envie de te dire, mon cono, on est toujours le même jour. Hein. Il est bientôt la fin de la journée. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on est sur le même jour. Et ouais, on avance tout doucement. Passer un coup de hop, tarochage. Voilà, un petit coup de raclette. Un petit coup tranquille. Ça serait bien qu'on puisse étaler un peu la sortie. Mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. C'est plutôt plat. On n'a pas de grosse bosse. Ça me plaît plutôt bien. Parce qu'il n'y a rien de plus moche, je trouve, moi perso, que des silos à moitié bien tassés. Là, j'aime bien que ça soit complètement, enfin parfaitement. C'est pas évident. Hein, parfaitement plat. Mais c'est pas évident à faire, donc bon, écoutez, c'est comme ça, la saloperie de souris là qui me fait chier avec ce fil. Je me tâte à passer sur une souris sans fil, mais bon, c'est relou les souris sans fil. Donc là, je me fais chier actuellement, parce que le fil est très très dur à cette souris, je comprends pas. Et il a tendance à faire bouger la souris quand on la lâche. Bref, c'est pas grave, hein, c'est des petites histoires personnelles, petites histoires qui font pas de mal, qui mangent pas de pain. Là, on est bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Où c'est que c'était? On va quand même pas faire le bourrin. On va pas couper à travers la culture. On va retourner tranquillement à Q. On va juste... Non. Ah, putain. Voilà. Wouhou. Normalement, c'est censé garder le réglage. Hein. Normalement, je dis bien. Ok, on va se refoutre là. Tranquillouze. Hop, allez. Contrôle F, on est bien. Ça a l'air d'être bon. Hop, monte vite. Allez. Démarre tout. C'est bon. Non, baisse tout. Qu'est-ce que ça dit? Démarre tout, je te dis! Arrête de monter dessus! Oh là, on se croirait avec le patou! Une fameuse vidéo où j'étais parti à Mac 12, je sais pas si vous en souvenez. Je l'avais mis d'ailleurs dans la vidéo best-of, vidéo de pseudo-fin que j'avais fait où. Attends! Mais putain, mais. Oh, il va me bouffer le cul tout le long! Arrête! Lâche-moi! Putain, mais qu'il est con ce Maurice! Alors déjà qu'il était con la dernière fois, mais alors là, il est encore plus con, là. Arrête! Oh là là là! Attends. On tourne, là. Arrête! Il va me pousser dans l'arbre. Ah putain, comme on dit, on est à cul, hein. Vraiment, on se dit... Ah putain, j'y vois rien, j'en bouffe plein la gueule. On se croit vraiment en train de travailler avec le patou. Le mec, il me lâche pas, quoi. Il a collé la roue. Et on peut pas le décaler un peu plus, là, sur la gauche. Ouais, voilà, tranquille. Voilà, mon Maurice, viens. Par contre, tu t'arrêtes pas, tu viens. Voilà, impeccable. Eh, ça y est, enfin on a trouvé un réglage correct. J'ai envie de te dire, mon cono. Et ça a l'air plutôt bien. Je crois que, bah ouais, on va terminer tranquillement ce champ-là. Et puis j'irai terminer les autres, moi, de mon côté. Ça aura été encore assez. Est-ce qu'on va arriver à faire comme ça? Folklorique. Attends, tu t'arrêtes. Bouge pas. Voilà. Oh, il y aura un petit oubli ou deux. Mais on va faire demi-tour, regarde. On va tourner. Allez, tu prends large. Stop. C'est parti. Tac. Petite danse. Allez, hop. Viens vite. Viens là, viens les couilles, viens, ouais. Oh putain, c'est bien fait, en plus la benne est bien détectée, la buse était... J'ai pris une small buse, parce qu'on peut prendre des grandes buses, des petites buses, des machins. Allez, viens avec moi, on a le temps de faire un petit coup là-bas, histoire de te remplir la benne jusqu'à la gueule. Voilà, tranquille. Allez, ouais, le champ est là-bas. Je crois que j'ai pris le 9, oui, le 9 j'ai pris. Attends, mollo, fio. Là, c'est dommage, ça avance toujours un petit peu en... Oui, on peut... Ouais, bah voilà aussi, t'es con. Et qui a baissé ton, levé ton truc. Ah, hop, doucement, bijou, t'inquiète, ça va passer. Voilà, allez, viens. Avec un peu de bol, il n'y a pas d'arbre sur le long, là. Il va rester à côté de moi, il se plante pas dans un arbre. Avec un peu de bol, je dis bien. Putain, mais il y a des arbres de partout, on n'y voit rien, de la feuille. Putain, je vais avoir de la salade dans les dents cet après-midi. Tourne. Oh, putain, c'était chaud. Heureusement que j'ai fait ça. Ouais, c'est bon, c'est bien, c'est bon. Impeccable, qu'est-ce que ça dit? T'es bientôt plein? Ouais, à mon avis, t'es bientôt plein. Bientôt plein comme une barrique, ouais. Allez, vas-y, ouais, laisse filer. On va arriver au bout et ça se trouve que tu seras plein. Ou pas. Tu vas peut-être être plein même un chouïa avant. Et en plus, regardez ça, on est direction la ferme. C'est pas bien organisé, ça. C'est pas beau, ça, en termes d'organisation, les vidéos. Hop là, stop là. Voilà, allez, coupe tout, ta gueule. Voilà, on est bien. Allez, pousse-toi, Jean-Jacques. Stop, c'est bon. Qu'est-ce que ça dit? On peut... Oh putain, le salaud. Arrête. Qu'est-ce que t'as fait?
Ah putain, c'est pas vrai. Il faut le désengager depuis ici. Hop, Shift F, merci monsieur dame. Hop, et on va sauter. Et ben voilà, ça c'est du propre. Voilà, ça c'est de la vidéo de Savoyard. Le mec, il finit quoi? Sur la barre de coupe. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'on n'était pas réellement sur la barre de coupe. Bref, c'est pas bien grave. Allez, on vide cette benne là et on est bon pour aujourd'hui. On aura donc accompli une nouvelle tâche, une nouvelle mission sur cette petite série de Campaign of France. On va revenir, j'ai réinstallé, c'est pareil, alors je me tâte à vous faire une vidéo, je verrai bien, mais j'ai réinstallé Dakar 2018, je sais pas pourquoi, j'avais envie de rejouer à ce jeu-là. On n'avait pas particulièrement apprécié, mais je voulais voir si, avec le patou à l'époque, mais je voulais voir s'il avait été amélioré ou pas. J'ai fait une spéciale, ça n'a pas été amélioré de ouf, hein, j'ai envie de vous dire. C'est toujours un petit peu particulier, mais bon, ça change un petit peu aussi, on a des jeux, autant en profiter. Mais c'est pas énorme, hein. ça a pas été amélioré de ouf, hein. C'est bien ce que je vous dis. Hop là, allez, on va essayer de tout de suite reculer là-haut. Voilà, allez, on est bien. Et bien écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez le process. Vous laissez le petit commentaire pour dire quoi ou qu'est-ce. Hop là, attention le mur. Vous laissez le petit pouce bleu si ça vous a plu, hein. C'est comme d'habitude, il n'y a pas d'obligation, hein. On ne le demande pas en début de vidéo, on le demande à la fin de la vidéo, et encore on ne le demande pas. Si vous en laissez, vous en laissez, si vous en laissez pas, vous en laissez pas, c'est pas bien grave en soi, on se nourrit pas de ça de toute façon. Et bah écoutez les amis, n'hésitez pas à laisser, j'ai déjà dit, ouais, c'est vraiment de la merde ces fins de vidéo, faut vraiment que je retravaille tout ça. Allez, ciao, bye bye.